Pasa qui dit là, boa koutou pécha, di badiebe, boa koumanya, maloua di, enzeka maloua, toi ça qui dit là, boa loulama toulouen nou kou télévision et tout, Congo Live Télévision, toi ça qui dit là, boa kousungula, boa koumanya à maloua, merci de nous choisir sur Congo Live Télévision afin de vous mettre au parfait de l'actualité, les dames et messieurs. Mbote bisika bozali boko zala na kati ya République démocratique du Congo tolobi mbote na ba oyo bakie kolanda beto na ngonga yayi boyali na kati ya mboka na biso tunasema jambo kuba telespectateur ya Congo Live Télévision banaenda kutufata wakati kama na ufasi yote enfin que tubapatie ba information inahusu inti yetu. Nous disons merci à ces téléspectateurs fidèles de Congo Live Télévision qui sont encore scotchés à pareils instants sur leur écran, devant leur caméra, devant leur télévision, devant leur appareil, enfin, d'être informés sur Congo Live Télévision. La télévision congolaise bilingue, comme je l'ai toujours dit ici, a l'objectif de vous informer, de vous mettre au parfum de l'actualité. Et surtout, à ce qui concerne la sécurité dans l'est du pays, la sécurité de la République démocratique du Congo. On parlera de la sécurité, on parlera aussi de la collaboration, coopération militaire entre les États. Je parlerai de cette collaboration entre la RDC et la Chine. Je parlerai également de cette collaboration entre la RDC et la SADC. Voilà les deux sujets auxquels nous allons marteler, dira les 20 bonnes minutes que nous aurons tout au long de notre émission. Je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation. Naye lisusu ko kabela bino basango, yali kambo oyo ezo le kanakati ya mboka na biso ba mituna eza ebele. Pourquoi nous ne gagnons pas la guerre? Pourquoi nous ne sommes pas en train de récupérer de villages sur les lignes de front? Nous sommes bloqués. Est-ce c'est le niveau militaire? Nous sommes bloqués. Est-ce c'est les renseignements? Nous sommes bloqués. Est-ce que c'est notre logistique qui n'est pas aussi suffisante pour faire que nous puissions gagner la guerre? Est-ce que nous avons un problème d'hommes sur le terrain? Ce sont des questions oyoba Congolais bazokomituna. Et normalement, des Congolais doivent se demander ces questions. Ce genre de questions circulent dans l'opinion. À un point où Bamoko Bakomi Kolemba. Et on se demande où est-ce que nous sommes bloqués. Diplomatiquement, qu'est-ce qui évolue de l'autre côté? Si nous approchons les autorités congolaises, si nous approchons le gouvernement souminois, Bakoebi Sabisoke, sur le plan diplomatique, Ekar Ezali Mounene, Koleka Ekar Oyo M23 Zanango sur le sol congolais. C'est-à-dire, récite Oyo Tozali Nango na diplomatie et le qui, ba village Oyo, M23 Eza Nango sur terrain à l'est de la République démocratique du Congo. Mais est-ce la vérité? Tokolo Bela Kango Mukolo Moussou diplomatie Ezo Mene Obiso Wapi. Mais le loto Tokolo Bela, coopération ya Congo. Nabamboga Mosus, d'une manière militaire, c'est quoi les résultats? Est-ce que nous avons encore aujourd'hui le droit de continuer à signer des accords? Nabamboga Mosus, Tokolo Belango, Namanaka Nabiso, Mukolo Mwalelo, l'État qui est toujours sous qui sa semaine, Nabiso déjà aujourd'hui, toujours mettre fin, na semaine Oyo, le lot samedi, toujours sous qui sa semaine, et qu'aujourd'hui on parlera que. Des choses tellement militaires, sécuritaires. Est-ce que les lots basali kobanza, kozongi sakimia dans l'est du pays d'une manière militaire? Tokolo belango, mukolo mwalelo. Alors, on commence par ici. Après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC 2024, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui du Burundi, général Neva Évariste Ndayishimiye, ont eu un échange à Beijing ce 5 septembre 2024.
Tobandeli wana. Le président de la République, après forum, akutanaki nandeko nae homologue nae ya Burundi. Basolo la kina bango. Mais soto bandeli déjà wana eke, coopération ya Congo-Burundi. Ba militaire ya Burundi sur le sol congolais. Est-ce que bazo sala? Une fois, je me suis rendu sur le terrain. Pour qu'on comprenne qu'est-ce que les Burundais sont en train de faire sur le sol congolais. Bako sala nini. Est-ce que coopération au bako sala est ali bénéfique sur la République démocratique du Congo? Comme vous le savez, comme moi, Boebi Ango, le Kolanga, les Burundais sont sur le sol congolais. Bah, militaires burundais, pas les Burundais, mais les militaires burundais sont dans le nord Kivu. Est-ce que Bazali Kosala? Bakalehe, Bisika Bazali. Baboremana, Bisika Bazali. Dans les territoires de Masisi, Bisika Bazali. Est-ce que Bazali Kosala? Voyez la réponse. La population, oyo ezali ko vivre na Baburundé. Et ko témoigne que Baburundé oyo baza sur le sol congolais. Bazo pesa, oyo sengeli ba pesa. Maintenant, nous babundi ma cacité. Écoutez bien la réponse que je vous donne. Cela n'est pas venu de quelqu'un qui m'a appelé pour me le dire. Je suis parti moi-même sur le terrain. Na yo ka population wana. Batu ebele bazolo ba pourquoi bozo tira bisote? Retenez qu'il y a d'autres choses aux examens militaires, aux sengelite ko exposé ango na place publique. Il y a d'autres choses qui relèvent dans le secret d'État. Le temps de Jésus, tous en Bitumba, ou Sengeli, Tobomba. Les Burundais sont là. Population a bakoué moko balobi. Depuis ma Burundais, bakoma na babisika oyo. Ba M23 ba poussa na pénété. Parce que, ba eseaka au moins, kosala oyo et Sengeli basala. Mais là n'est pas le débat. Les débats toko zongela sikoyo parce que ici on parle de que de coopération. Ba coopération militaire ya RDC na ba force ya mbaba mboka mosusu. Est-ce que ça va? Là n'est pas le débat. Le débat revient ici. Ça sera maintenant juste après. Raconte ya président burundais na président congolais. Que la RDC go poursuivre mission nango na kati ya Chine. RDC go poursuivre mission nango na kati ya Chine. Une autre coopération, signature d'un accord Salema Kilobi entre la RDC et la Chine. Nini Salema ki? Qui est celui-là qui a signé coopération wana? C'est quoi le motif de la coopération wana? C'est quoi l'importance de la coopération militaire entre Chine et RDC? Bako sunga bisona nini? Est-ce important to signer ango? Ba mituna, izali ko mituna, les réponses sont juste là devant. Le temps que technique bazo préparer nga vidéo wana, ya signature et accord, bako préparer biso. Tolanda elongo na bino, comment ça s'est passé? Toyeba elongo na bino. Pourquoi est-ce que nous avions décidé de faire cela? Technique, botilanga vidéo, et les dames et messieurs, on se retrouve tout juste après la vidéo pour que tout décortique l'ikambo. Toyeba, qu'est-ce qui s'est passé? Nini Oyo et Salemaki. Lobby, RDC na Chine, basinyaki mikanda. Ya coopération militaire entre Mboka na biso na Chine. Voici la vidéo et on se retrouve tout juste après. C'est une poignée de main fraternelle, image d'une collaboration amicale RDC-Chine. Le vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale et le président directeur général de Norinco immortalise cet instant avant d'entrer dans le vif du sujet dans cette salle. Renforcement de la coopération, deux questions liées à la technologie de pointe en matière de défense et à la sécurité. Un menu chargé pour les deux personnalités. Première société de l'industrie de l'armement de la République populaire de Chine, huitième plus importante dans le monde, le président directeur général de Norinco
mentionne d'ainsi dire la volonté manifestée par les deux chefs d'État de se soutenir mutuellement. Une coopération qui date des années 70 avec la construction du stade Martyr, palais du peuple et aussi la formation par des experts chinois des nouvelles unités énumérées par Gu Kabombo Moyanvita, signe d'une coopération élevée au niveau d'un partenariat stratégique et global par le président Félix Tshisekedi et Xi Jinping. Passage immortalisé par ces quelques mots, applaudissements nourris par le collaborateur de deux parties. Image d'une journée satisfaisante de présent remis au vice-premier ministre de la Défense qui quitte les installations de Norinco avec un sentiment d'un travail accompli. Voilà donc coopération militaire entre la RDC et la Chine. Oyo to tragiko zwa lobby. Oyo botiki komona mokonzi ya défense Gui Kabongo Moyanvita. Oyo asalaki accord yango sur ordre ya président de la République, c'est-à-dire en coopération, en collaboration, sur instruction. Ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Oyo yepe azali na kati ya Chine. La RDC et la Chine s'engagent à signer une coopération militaire. Kinshasa et Pékin ont renforcé vendredi 6 septembre 2024 leur partenariat en signant un nouvel accord de coopération militaire. Le vice-ministre, ministre de la Défense, le patron de la Défense, Gui Kabongo Moyanvita, a signé cet accord en Chine. Cet accord se concentre sur la formation militaire, d'échange, d'expérience et de la fourniture d'équipements pour renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce partenariat constitue une étape clé de la modernisation de nos forces armées de la République démocratique du Congo et le renforcement de la sécurité nationale. Le gouvernement de la RDC reste engagé à forger des alliances internationales qui soutiennent la paix et la stabilité sur l'étendue du territoire national. Boyoki, pourquoi est-ce que tu signaki mikanda wana? Pourquoi est-ce que tu poni coopération wana naba chinois? Selon plusieurs personnes, bazalaka ba partenaire sincère. Ma partenaire fiable, ma partenaire Oyo, Boko Sala, Dilie Sali, Kop, Kop, Ozuyayo, Azuyaye, Kop Sili. Nebo eba chinois bazalak. Coopération militaire. Kosomba biloko yo kosunga biso. Pour que batte la mboka na biso. Kosomba biloko Oyo, et kosunga mboka na biso. Bata ke ye to ye ba boni to komi sangela. Boni to komi kebela. Boni to komi tia biso mogo pua ya koloba tunajitegemea. Comment est-ce que nous allons espérer à nous-mêmes? C'est aussi une autre question. Tomi sangela, tomi sangela, tomi kebela, tomi lukela, tujitegemee. C'est dans le sens que Tommy Kebela. Au cas où nous avons des attaques, oyeye, Tommy Batela, Bisomoko. Et Zalana nous bilo wako bandako benga, ba partenaire militaire, metoye ba boni toko mizoua en charge, Bisomoko. Bisomoko. Et c'est comme ça que nous avions signé cet accord. Et c'est comme ça que tu signes qui va à Corouana. Comment ça n'a été? Que nous ne sommes pas les seuls à le faire. Bah, adversaire Nabiso. Bah, ça n'a pas été là. Les sorciers ennemis de la RDC ont fait ça il y a des années. On fait ça il y a longtemps. Et Nabastado yo sengeli to fungwa miso. Si le plan militaire sengeli to fungola miso. Ba arme wana ezo somba makuna. Eza ba arme te oye ba militaire ba koyako utilise pour tuer des civils ici. Parce que ça aussi faut marteler sur ça.
il y a des jeunes militaires oyo bazo ya abimi formation bakanisi ko simba manduki eza staff eza frime. Ce n'est pas ça. La République dépense beaucoup d'argent pour la makambouana. Et sengeli ba jeune oyo bakozala ko bakobanda ko utiliser ba manduki wana bazalo moins discipliné. La République n'achète pas ses armes pour que les jeunes militaires ou les gens qui ont embrié les jeunes boutous, qui ont téléphone, qui ont embrié les gens pendant qu'ils rentrent trop tard dans la nuit, ce n'est pas le travail des armes. La République achète ses armes pour défendre la patrie et non pour qu'elles aient l'objet d'escroquerie. Objet à tracasserie, ce n'est pas ça, ce n'est pas pour ça que la République est sur ma arme. Wana ba konzi ba compagnie, ba konzi ba régiment, ba konzi ba brigade, bon veillez ma casse sur ça. De jeunes militaires baza ko sale la ba arme wana mabe. Biso na biso, kati na biso, moi conseil entre nous. Ba pesi jeune arme, ba tindye na patrouille. L'arme est comme objet. Ya tracasserie. Non, ce n'est pas pour ça que bazo signé ba accord kuna. Ce n'est pas pour ça. Ba arme wane sengeli e batte la mboka na biso. C'est l'objectif principal ya ba arme wana. Mais pas quelqu'un rentre à 19h, 20h, ou mi camouflé nan zela ou bimisi arme pour lui traquer. Ou ben ma téléphone na e ba porte mone nyo souekende. Ce n'est pas pour ça. Et nous devons être éduqués. Ba konzi ya militaire sengeli ba sunga biso ko éduquer ba soldat à ce point. Na lobi ba militaire nyo sauté. Que je ne sois pas mal interprété. Na lobi certains oyo batinda makana ba patrouille. Utilise trop mal ba arme oyo ba pesa ka bango. Pourtant la République n'a pas acheté ses armes pour qu'elles aient l'objet à tracasserie. La République a acheté ses armes pour qu'elles aient l'objet à défense et à patrie. Je ne m'attaque même pas aux militaires. Et ça, comme moi, conseil, na ba oyo, ba sale la kabaminduki na bango, mabe. Voilà donc, coopération militaire entre la Chine et la RDC a été signée hier. Une coopération militaire. Il y a d'autres coopérations économiques, il y a d'autres coopérations, plusieurs coopérations ont été signés, plusieurs partenariats ont été signés. Vous aviez vu lors du forum, il y a eu même un point de presse qui a été organisé entre la Chine et la RDC, où vous aviez vu le ministre VPM du transport, Jean-Pierre Bemba, qui a présidé ça d'ailleurs. Vous aviez vu des DG, de différents DG des entreprises publiques. Vous aviez vu certains ministres dedans pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je vais finir par la SADC. Certaines personnes ont l'impression que apparemment la SADC n'existe plus. La SADC est là. Elle est venue pour une mission offensive selon les autorités de la SADC. Balobaki bayakaki pona ba mission ya kobunda ya ko traquer ba rebelles ya ko sirisa instabilité ko tia stabilité. Mais depuis Baya, c'était le 15 décembre 2023. Je me rappelle, j'étais à Goma. La SADC était arrivée le temps que moi-même j'étais à Goma. J'étais là, Nazaraki à Goma, lorsque la SADC était venue. Balobi kaka lobamoko toye pour une mission offensive. Mais jusqu'aujourd'hui, totika komona bangola nte en œuvre. La population bazo déplorer le fait que SADC ezali mais bazo bundate. Ce n'est pas moi qui le déplore, c'est la population vivant à Goma qui fait savoir pourquoi est-ce que la SADC ne se bat pas. C'est une question. La SADC ne se bat pas, la SADC ne parle rien. Mais il y a quand même des militaires de la SADC qui ont perdu la vie depuis que la SADC est là. Bip! Plusieurs militaires de la SADC ont perdu la vie. Mais la SADC n'a pas encore commencé à se battre. Comment ils ont perdu la vie? Lors des bombardements, l'M23 larguait toujours des bombes dans les bases de la SADC. Nous allons finir par ici.
le militaire tanzanien qui se trouve dans la SADC, le militaire malawite qui se trouve dans la SADC, le sud-africain, bango bakufaka mingi mingi na kati ya babuzo ba M23 wana, baza pe na kati ya SADC. Ce qui va nous intéresser, zao ya ba tanzanien, ba sala kinini, qu'est-ce qu'ils ont fait, ba militaire tanzanien, ba sala kinini. Solidarité tanzanienne à Goma. À l'occasion du 60e anniversaire des forces de défense du peuple tanzanien, TPDF, les militaires tanzaniens de la mission de la SADC, basée dans la province du Nord Kivu, ont emporté leur soutien aux enfants vulnérables du territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma. Ils ont offert des kits scolaires, de vivres et de non-vivres pour améliorer leurs conditions de vie. Ba militaire Oya Sadek Banakati Amboka Goma, à l'occasion du 60e anniversaire na Bango, le temps que Banakati Amboka Goma, ils ont profité d'aller rendre visite na ba jeune, na bana, oye ba ko souffrir ba kima bitumba. O ba fanda na katia, territoire ya Nyiragongo au nord de la ville de Goma. Et c'est comme ça ba memela ki bango mwali sungi de vivre, de non vivre, des équipements scolaires, des kits scolaires. Et c'est comme ça la journée d'hier plutôt était achevée. Bayaka ki pour la mission ya Kobunda, mais au-delà ya Kobunda, ba partager humanisme na bana o ba ko souffrir na kati ya bakan ya ba déplacés. Voilà donc ces informations qu'on avait à vous partager au jour d'aujourd'hui. Les dames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision. Comme je l'ai dit au départ de cette émission, je suis Youssouf Kibingila David. Bwana lisungi, bwana ba suggestion, bolingi bo subventionner biso pour que musala na biso ekende liboso. Ce n'est pas mauvais. Et ça peut monter ma qui compatriote. C'est aussi une bonne chose. Je ne vois pas le mal à ce niveau. Nous restons disponibles au plus 243 9 93 46 71 93. 9 93 46 71 93. Vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à commenter. Vous avez des flous, il y a des parts là où vous ne comprenez pas. Vous voulez être plus informé sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, n'hésitez pas de nous contacter. Et ça nous fera du bien. Merci beaucoup. Vous êtes à la diaspora, nous vous disons également merci beaucoup. Mbote bisika bozali, moyo, bipai bozali, djambo, kulemuko. Bonjour, bonsoir, ça ne dépend pas de quelle heure vous nous captez. Nous vous disons merci, nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous disons bon week-end et à ce lundi pour d'autres actualités.